projet Diakhaté. En fait, nous avons organisé deux journées, c'est-à-dire hier à partir de 16h et aujourd'hui on a démarré à partir de 9h. Ces journées sont concernées pour le ramassage des ordures, surtout ce qui est des sachets plastiques et des ordures qui ne sont pas dégradables au niveau de la nature, qui sont nocives pour la nature. Donc ce sont ces ordures que nous sommes en train de ramasser, accompagnés avec la majeure partie de la jeunesse de Diakhaté. Nous avons nos partenaires allemands de la GIZ qui devront nous rendre visite à partir de demain, lundi. Donc c'est pour cette action que nous avons jugé utile à rendre notre village. Oui, plus que satisfaisant, parce que vraiment on est gâté aujourd'hui du côté de la mobilisation, parce qu'on ne s'attendait pas à avoir une représentativité de cette taille. Parce que, ce que je connaisse, il y a l'association des jeunes engagés de forage, il y a l'AJDN, l'association des jeunes pour le développement de Ndianda, il y a aussi la représentativité au niveau de tous les quartiers, dans tous les 7 quartiers du village sont représentés au niveau de cette activité aujourd'hui. Donc vraiment nous sommes gâtés. Ça a été de bonnes réussites parce qu'on a toutes les affaires, on a tout ramassé. Donc il y a certainement peut-être certains points qui restent. Mais... oui, tout d'abord, auparavant, nous avions jugé utile à informer. On a beaucoup insisté sur l'information et la négociation parce que nous sommes dans une concept villageoise qui parfois, quand vous amenez les forces de l'ordre, ça peut gâter beaucoup. Nous avons jugé utile à informer, à négocier. Mais nous n'hésiterons pas aussi de taper fort, de sortir le bâton quand il le faut. Parce qu'il n'est pas du tout normal que les gens nettoient et que vous salissiez toujours. Donc c'est pourquoi on a dit que quand ça sera utile, on fera appel aux forces de l'ordre, c'est-à-dire aux agents de l'hygiène qui sont... à Joal, donc pour venir nous soutenir.